Unida. Sí. Por el progreso social y democrático. Sí. Colonialismo. Sí. Le neocolonialismo. Sí. Le racisme y la apartheid. Sí. Honor. Sí. Pouvoir. Sí. Gloire. Sí. Victoire. Sí. Fidélité. Sí. Permanente fidélité. Sí. Rigoureuse fidélité. Sí. Vive la production. Vive la production. Critère de la révolution. Vive la révolution. Vive le président Martin Boulet. Vive le président. Yeah.
peuple. Responsable suprême de la révolution. Camarades, délégués au 12e congrès, honorables invités, en application des dispositions de l'article 85 des statuts du PDG, convoquant tous les 5 ans le congrès national du parti, et conformément au communiqué radiodiffusé du groupe politique national en date du 8 août 1983, le 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée est convoqué à Conakry les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 novembre 1983. Les présentes assises nationales, groupes, ainsi que le stipule l'article 83 des statuts, les membres du comité central, les membres des bureaux fédéraux, les membres des comités nationaux des travailleurs, des femmes et des jeunes, les membres de l'état-major général interarmes, les secrétaires généraux et les secrétaires à l'organisation des comités directeurs. Sont présents dans la salle, membres du comité central, 81 sur 82, le camarade Fadi Sangaré étant excusé en mission. Déclarons ouvert le 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée, Parti guinéen du travail, Parti État guinéen. Congrès sont soumis pour discussion. Adoption des documents importants émanant du bureau politique, du PDG, du comité central du PDG et du gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée. Politique, il s'agit du rapport de politique générale. Que nous aurons l'honneur et la charge de vous présenter tout à l'heure. Du comité central, il y a les modifications proposées au statut du PDG. Et du gouvernement, il y a le compte-rendu de tâches présenté au Congrès par chaque département du pouvoir central. Commencerons par le rapport de politique générale du Bureau politique national. Camarades membres du 12e Congrès national du PDG, constitué à Conakry le 14 mai 1947, lors de son premier congrès, le Parti démocratique de Guinée, PDG, s'engagea dans la lutte multiforme et multidimensionnelle en vue de faire du peuple guinéen un
peuple émancipé. Soustrait à toutes les influences nocives et aliénatrices des systèmes oppresseurs, un peuple aguerri pour maîtriser la nature. La finalité qu'il assigna à cette lutte et qui continue à polariser de plus en plus massivement les énergies créatrices de notre peuple a été, est et demeurera l'édification d'une société démocratique, progressiste, jouissant d'un parfait équilibre, c'est-à-dire de la santé intellectuelle, morale et physique, de tous les moyens de satisfaction de l'ensemble de ses besoins, besoins matériels et besoins immatériels.